Salut tout le monde. Quand j'avais fait cette petite vidéo là, elle est où? Elle est là. Bon, il y a des gens qui m'ont demandé d'expliquer un petit peu comment on faisait l'intro et comment on faisait le son. Ben, c'est ce qu'on va voir maintenant. L'intro. Alors l'intro c'est comme ça, en vitesse à peu près normale. Alors tout ça je l'ai repiqué à l'oreille parce qu'à l'époque, il y a 40 ans en arrière, on n'avait pas tout le bins qu'il y a aujourd'hui pour repiquer les trucs. Donc c'était le tour d'un disque et les feuilles. Voilà, c'est un truc dans le style. C'est pas très compliqué en détail. Voilà, on part corde G, cinquième case. Avec un bend après. Hein. Voilà. Et la deuxième. Et la deuxième phrase, on part cinquième case, corde si. Et bien sûr la huitième ici, corde si aussi. Je refais. Hein. Parce que là on fait un pull-off. À vitesse normale fait. Et puis et ensuite on arrive à case 3 sur la corde là. Donc on a un Do, Ré, avec un petit bend, et on retombe sur le Do, et là on fait un bend assez lent, et c'est là qu'on tombe sur le premier accord de La, ok, donc en gros ça fait... Voilà, ça c'est l'intro. Soche. Et après le solo. Ah, on voit le solo. Dans le solo, j'essaie de le jouer à peu près à vitesse normale. Voilà. Alors là, on démarre sur la corde si, huitième case, avec un slide. On peut faire aussi en hammer. Et moi, je fais un slide. Et là on fait un bend pour atteindre cette note. De nouveau un bend, on relâche. Donc on se retrouve
En case 9 sur la corde ré. Ok. La suite, on part de toujours, on est sur la corde là, 11e case, et on fait un slide qui descend d'un ton jusque donc à la case 9. Voilà. Je fais doucement. Donc, case 7, corde là. Et on finit case 7, corde mi. Ensuite. C'est facile. On part de sur la corde si de la case 14 et on fait un chromatisme. Ok. On refait pareil à partir de la case 12 sur la même corde. Ok. Et là, à partir de la case 10 de la corde si. Ah. C'est facile, alors je détaille pas trop. Hein. Là, un truc hyper classique. À partir de la corde G, enfin la corde sol, 11e case, on fait un bend, et puis on passe dessous, case 9, sur la corde si et la corde mi. Alors je le fais doucement. Et après on monte, donc corde sol, on va faire le slide. Et un bend derrière, donc le slide jusqu'à la case 14 de la corde G et le bend. Et on refait pareil que la petite phrase d'avant. Donc on va jouer, mais ce coup-ci en case 12, on va jouer la corde si et la corde mi. Et puis. C'est classique à rock, hein. Vous écoutez un peu, vous essayez. Et la femme. Voilà.
C'est tout, on a à peu près tout vu. Bon, j'ai un peu calé le solo au début, c'est pas grave. Vous écoutez la vidéo, elle ne tourne plus, je la remettrai. Je mettrai le lien. Ciao, bon dimanche.